Le président biélorusse Alexandre Loukachenko est arrivé lundi à Harare pour échanger avec son homologue zimbabwéen, le président Emmerson Mnangagwa. Les deux pays ont une relation particulière. Tous deux sont visés par des sanctions diplomatiques imposées par l'Union européenne et les États-Unis. L'Occident est déterminé à sanctionner et isoler nos deux pays, mais ils ne réussiront pas, car les stratégies de développement mises en place par nos deux pays sont de s'assurer que nous sommes autosuffisants. Le ministère zimbabwéen des Affaires étrangères a déclaré que cette visite de 3 jours visait à renforcer les relations existantes entre les deux pays dans des domaines de la politique, l'agriculture, l'armement et l'exploitation minière.